There's a place where you can fulfill your dreams. A place where love is immortal. A place where life is eternal. But honestly, we don't give a damn. Because it's CS time. Powered by Flickshot.fr. Welcome to the Flick Show. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier numéro du Flick Show. Je suis pas tout seul, pour ceux qui n'auront pas reconnu, bien sûr, moi c'est Bloody, hein, comme d'habitude, l'habitué de CSGO. Qui a parlé? Qui a parlé? Il se dénonce. C'est moi, c'est Nel, bonjour. C'est Nel, salut Nel. Bonsoir. Ancien rédac de chez Vacar, mais maintenant qui est sur flickshot.fr, c'est ça exactement? Exactement, ancien rédacteur en chef, on peut dire. T'as bien compris si ça, le en chef à la fin. C'est vrai, je suis désolé. Voilà. Et avec nous également, il y a Coco. Ouest Coco. Respecte-moi. C'est ça? Enchanté, bonjour, bonsoir. Coco, ça va? Enchanté, très bien, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux nous dire un petit peu? Je me suis perdu, j'étais sur le TS, on a fait un MM et on m'a proposé de parler. Donc ok, là. Très bien. Bah écoute, c'est. Et en vrai, parfait. Vas-y. En vrai? Consultant, c'est ça? J'ai recruté Nel chez Vacarm. J'ai quitté Vacarm, je suis chez Flickshot, voilà. Voilà. Ok, très bien. Donc c'est les anciens qui sont là pour le renouveau, on peut dire. Tout à fait, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Et on a un consultant, un guest, pro, un invité. On va dire un guest exactement, qui est Weeper. Salut Weeper. Salut, bonsoir. Et puis bah merci de l'invitation au boss de Flickshot qui m'ont convié pour ce premier podcast. Pas de problème. Avec nous, bien sûr. Weeper, vous pouvez retrouver sur les internets, sur des petites vidéos bien sympathiques. Tu peux nous rappeler un peu ton activité également, ouais, sur Eclipsia, mais bon. Je fais pas mal de trucs différents. Bah, j'ai un YouTube, Weeper CSGO sur YouTube, et vous trouvez tout seul, normalement, ça va assez vite. Et ouais, je fais du contenu, donc vidéo sur YouTube, je fais des articles pour Eclipsia, je fais c'est à peu près tout. Enfin, je fais un peu de cast pour Nvidia. Voilà, exactement. Je pense que ton contenu, moi je trouve qu'il est quand même très très intéressant dans les vidéos, et sur Eclipsia, c'est un peu quand même pour grand public, quoi. C'est un peu ça, en effet. C'est vrai que tes analyses sur YouTube sont très intéressantes, donc je vous invite à aller faire un tour sur Weeper CSGO sur YouTube. Ce qui est intéressant, c'est que pour tous les niveaux, quoi. C'est top. C'est ça, exactement. C'est pas du Calfaldinos, tu vois. C'est pas des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment des trucs intéressants. Tu vois. C'est ça, exactement. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on est là? Attends, on précise. Caster Analyst, c'est vrai. W-I-P-E-R. IPR, IPR, il a dit. Non, c'est mais ouais. WIPR qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tous les autres aussi, Coco, Nel, moi-même et Weeper, n'hésitez pas à aller faire les petits tours. Ce sera dans la news. Les petits follow, exactement. Pourquoi on est là? Bah, tout simplement pour vous présenter un nouveau, pas un nouveau concept, mais une nouvelle émission qui sera peut-être. Assez régulière si ça se passe on bien. On verra, on se donne pas de régularité, on fait comme on veut, voilà. On exactement, verra. C'est comme on veut, c'est entre potes, entre guillemets. Tout à fait. On s'installe, on parle de CS et on vous invite à participer avec nous, à commenter, etc. Et même parfois, vous allez le voir tout à l'heure, à réagir avec nous sur différentes questions sur les réseaux sociaux, etc. C'est pour ça que je vous ai parlé. Et justement, Twitter. Là, je précise, c'est une première, c'est une spéciale shuffle, on est entre nous. Et pour la prochaine fois, il y aura certainement des invités, même des viewers qui pourront participer. Voilà. Et c'est surtout que là, vu que c'est une spéciale shuffle, on a essayé de PV pas mal de joueurs, mais comme beaucoup de joueurs sont concernés, ben, tu vois, ils viennent pas trop, tu vois, ils veulent pas se faire impliquer, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais donc voilà, ouais, donc c'est une première qui va être spéciale shuffle 3.0, comme on l'appelle, puisque c'est la grosse annonce qui a été faite sur flickshot.fr. En exclusivité, le mec. Tu le vends bien. Ouais, je sais, on m'a bien payé, donc voilà, c'est cool. Et du coup, la news, qu'est-ce que c'est, Nel? Tu peux nous le rappeler exactement dans les termes? Alors, globalement, trois joueurs Envious vont jouer avec deux joueurs G2, donc ils vont arrêter les deux équipes et faire une seule équipe. Avec Shox, donc qui sera le leader logiquement. NBK qui sera donc à ses côtés, Kenyes au sniper, Apex à l'ouverture et Body qui aidera Apex à l'ouvrir. Voilà. Donc ça, en gros, ça chamboule la hiérarchie française qui était un petit peu établie, quoi. Complètement. Alors à l'heure actuelle, on a deux équipes, on va dire moyennes, top 10, top 11 selon le classement HLTV. Et l'idée, c'est de prendre les meilleurs des deux côtés et de créer une équipe qui gagne, quoi. Parfaite, quoi.
Et Après, donc, quand tu dis les meilleurs, c'est pas forcément en termes de stats ni quoi que ce soit, c'est des joueurs c'est. complémentaires Voilà. et c'est par rapport au rôle, quoi. Créer une équipe, quoi. Et donc. Parce que Créer quand la tu meilleure regardes équipe. les stats sur les derniers mois, c'est clairement pas les meilleurs joueurs qui sont là. Tu penses notamment à Scrim. On en parlera juste Voilà, après. exactement. Et voilà. Et juste pour T'as tout terminer, compris. donc. Smith passe coach. Donc il lâche le sniper chez G2. Enfin, même il lâche les armes chez G2. Et Niak sera manager. Ok, Voilà juste pour avoir l'information. un petit mot, juste on va revenir plus en Yep. détail après. Juste toi, Weeper, qu'est-ce que t'en penses? Juste un mot, si tu dois définir un mot pour cette annonce, qu'est-ce que tu dirais? Ou un peu plus quand même. Un mot pour l'instant, et puis après on en détaillera peut-être un peu plus sur les points qui suivront, mais Je dirais que qu'est-ce que ça t'a fait je toi? suis curieux, tu vois. Ouais. Ah, c'est pas enthousiasme, c'est Je suis curieux, curiosité. j'attends de voir clairement parce que enfin, pour aller un peu plus profondément dans le sujet, je suis pas convaincu que ce soit la bonne solution quoi. C'est oui sur le papier ça a de la gueule. Maintenant c'est pas parce que ça a de la gueule que ça marche. Enfin c'est pas comme ça CSGO quoi, c'est un peu plus technique que ça quoi. Ouais, est-ce que, justement, en parlant du fait que c'est pas vraiment la meilleure solution, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'actualité de ces deux équipes avant que ça se passe? C'était notamment la qualification pour le Major, et ce serait même pendant cette qualification Major qu'il y aurait eu des discussions. Alors, non. Si t'as un petit peu le Alors, timing de ce qui s'est passé. pour rentrer dans le plus les détails, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que c'est en préparation. Ah, d'accord. Et que ça a été annoncé aux joueurs, donc tous les joueurs G2, tous les joueurs Envy, se sont réunis ensemble à Ça t'a Atlanta, annoncé donc quand? Au après la début? qualification. Non, après. Ah d'accord, parce que je me disais, putain, c'est pour que Et. la capi faisait la gueule pendant toute la LAN, mais non, ok. Mais tu fais toujours la gueule à Ouais, de Pif, toute façon, oui, pourquoi? c'est pas nouveau. Et voilà, du coup, ils se sont tous réunis, et donc c'est Shox, NBK, principalement, qui ont annoncé la line-up. Qui ont dit, voilà, Ok. on va faire ça va se passer comme ça. À l'époque, Smith n'avait pas encore accepté, mais il était au courant, et ils avaient dit, Smith, tu pourras venir, machin. Des joueurs n'étaient pas au courant, comme Ah Body. d'accord. Body n'était pas au courant. Il l'a appris, il l'a. D'ailleurs, je peux le dire, il l'a pas trop bien pris sur le coup. Il a dit, ouais, bof, moi je sais pas trop, faut voir. Parce qu'il était déçu que ça se fasse dans son dos, etc. Et Scrim l'a particulièrement mal pris, ce qu'on m'a dit. Parce que bon, c'est vrai que Scrim, il a pas trop de chance. Hein, il s'est souvent fait backstab, comme on dit. Il s'est souvent fait kick des line-up. Il se fait prendre sa place par Kali, qui au final est a cheaté. Enfin, à chaque fois, c'est le premier shuffle, je crois. Il est mis de côté totalement. C'est un Enfin, peu bref. le point d'interrogation que tout le monde se dit actuellement. Si on doit faire entre guillemets l'analyse de cette équipe, comme tu es un petit peu en train de le faire, vu que le Yep. Scrim a été surprise, c'est quand même. Enfin, je pense que pour tous les grands amateurs de Counter-Strike et des Talking About My One Tap, Tout à le fait. fait qu'il n'y ait pas Scrim dans une Dream Team francophone, parce qu'on va pas dire française, mais francophone, Et je peux c'est quand même l'expliquer. une équation un peu bizarre, non? Alors la raison Qu'il est arabe, c'est principale, peut-être pour ça, non? pas du tout. Pas du tout. Les gens ils mettaient ça dans les commentaires, j'avais vu ça sur HLTV, etc. Et j'étais Ça c'est ça, pourrait, mais non. Ça pourrait, mais non. La vraie raison, c'est que une ou plusieurs personnes dans cette équipe, je ne donnerai pas les noms, avaient dit, moi je ne joue pas avec Scrim. Si on fait une équipe, il n'y aura pas Scrim. Donc c'était ça Ah, mais quand l'idée de tu dis de base. cette équipe, c'est de son L'équipe équipe. de G2? De De G2 ou G2? de. Bah non, c'est obligatoirement de chez. De l'équipe ayant. De la Dream Team, quoi. Dans les 5-6 joueurs plus les autres, il y en a un qui a dit. Qui a imposé que Scrim ne soit pas là, par exemple. Ok. Donc je dirai pas son nom, On mais dira pas son enfin, nom, ouais. on le saura peut-être dans plus longtemps et quand tout sera Après, vous pouvez retombé. faire vos déductions et mettre dans les commentaires celui que vous pensez. On va faire un petit jeu, on va faire comme Comme les les youtubeurs. Et youtubeurs, mettez dans mais. les commentaires, les gars, ce que vous Non, pensez. mais. Non, Le non, but, mais. c'est. Enfin, le but, c'est de donner une information, c'est pas de faire du C'est drama ça, en exactement. créant des trucs, des polémiques entre. Et des genres de conflits entre les joueurs, quoi. Après, c'est vrai que c'est quand même bizarre comment ça a été annoncé, le fait qu'il y ait certains joueurs qui soient pas au courant, Alors, que. non, Enfin, tous les joueurs c'est. étaient au courant. Oui, mais je veux dire que ça s'est fait. Hein, les discussions sont faites Ah, un peu tu veux dire dans le pour dos, Body? etc. Ah, Ouais, pour Body notamment, bah, ouais. enfin, on va pas se cacher, tous les shuffles, tous les changements, ça se fait toujours dans le dos. Généralement, les mecs apprennent au dernier moment. Genre, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Body, mais quand il va chez G2, il n'est pas au courant. Genre, c'est moi qui lui dis, en fait. Genre, je parle à ses mates qui lui disent. Genre, Shox et G2 à l'époque avaient dit, ok, on prend Body pour le remplacer, Body n'était pas au courant, tu vois. Et c'était plus ou moins pareil pour Deville. Mais c'est comme ça que ça marche maintenant, voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Et on les voit Ah mal ben. refuser, quoi, une offre comme ça, voilà. Ben oui, après, au vu des résultats qu'il faisait, est-ce que c'est une
bonne idée, Weeper, pour toi. Les deux Comment équipes. ça, une bonne idée? Que c'est une bonne idée d'aller mettre du changement dans une équipe G2 qui, ben, je trouve, qui montrait de belles choses, même si elle a galéré un peu à la qualif major. Je pense pour Envy, c'était indéniable qu'il fallait un changement, même si ça fait quand même plusieurs mois qu'ils ont changé un élément. Mais moi, je pense qu'il fallait changer d'autres éléments, mais bon, ça, c'est autre chose. Pour une équipe comme G2, que je trouvais qui montait en puissance, qui montrait de belles choses, est-ce que c'est une bonne idée d'aller chambouler, d'aller casser la deuxième meilleure équipe? Et d'aller changer quelques joueurs et notamment de sortir Scream, quoi. Quelque part, je me dis que dans la tête de Shox, c'est de se dire, il y a un an, je gagnais des majors et maintenant, on galère, à part à un petit coup d'éclat en ECS, ou enfin, je sais plus, où ils ont battu SK une fois, ils n'ont pas fait grand-chose au final, et où il y a des performances qui sont pas mal, qui sont encourageantes, mais quand on fait le bilan, le global, c'est quand même assez loin de ce qu'ils étaient capables de produire chez LDLC puis Envy au tout début. Et forcément, je pense que ça, malheureusement, enfin, au niveau FR, ça a souvent marché comme ça, quoi. C'est si les résultats n'étaient pas là d'une manière rapide ou constante, bah il y a eu un changement et au final, c'est quasiment logique, quoi. Après, personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée, puisque pour moi, l'exemple à suivre, c'est Virtus Pro. C'est des mecs qui n'ont pas bougé depuis des années et qui arrivent à voir, oui, ils ont des hauts, ils ont des bas, mais ils arrivent toujours à revenir au top. Et je trouve que c'est l'exemple à suivre. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal quand je vois des joueurs qui décident de refaire un shuffle alors que bah voilà, il y a Sixer, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2 mois qu'il est dans l'équipe. En 2 mois, t'as pas le temps de pousser ton équipe au maximum de ses capacités, quoi. Et je trouve ça toujours dommage, aussi bien pour G2, pour Envy. Enfin, à mon avis, les deux équipes avaient plus à proposer. Et en plus de ça, le fait de s'être qualifié majeur, c'était quand même, je sais pas, c'était une petite preuve en soi qu'ils étaient capables de continuer à Oh, mais atteindre ce c'était quand niveau. même sur Et le là, bout du fil, ouais, enfin c'était le bout compliqué, de sur la mais. fin, quoi. C'était compliqué, ça c'est sûr, mais ça reste une belle preuve d'un excellent niveau au niveau inter, quoi. Et au final, avec plus de travail, à mon avis, enfin, c'est que mon avis, malheureusement, mais je pense qu'ils pouvaient recoller au top. L'une équipe comme l'autre, pour moi, sur le papier, avait le moyen d'y aller, mais je trouve ça un peu dommage au final, ce shuffle-là. Mais quand tu parles de constance avec VP, pour moi c'est, on peut comparer, mais VP t'as une constance haute avec des joueurs qui peuvent faire des exploits à n'importe quel moment. Sauf que chez G2, enfin, je veux pas dénigrer les joueurs, mais t'as RPK qui a progressé qui a pris le jeu après tout le monde, qui a progressé rapidement, mais j'ai du mal à le voir progresser maintenant et encore prendre du niveau. Pareil pour Smith, je les vois pas faire des, enfin, t'auras peu de coups d'éclat de leur part. Je trouve que ça repose trop souvent sur Shox et Scream et Body qui fait le taf derrière, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils étaient un peu à bout de souffle, quelques exploits de temps en temps, mais j'avais du mal à les voir aller recoller au top mondial, quoi. Et tu sais, t'as des équipes comme Dignitas, avec des jeunes joueurs qui montent, qui peuvent prétendre un top 5 monde, qui y sont d'ailleurs. Et G2, j'avais vraiment, moi, personnellement, du mal à les voir atteindre ce niveau, quoi. À Après, cause de joueurs comme RPK et Smith, qui pour moi, peuvent avoir un niveau de top inter, mais top 15, top 20, quoi. la Après, différence voilà, avec on n'est pas au VP, sein de l'équipe, les rôles et voilà, ce qu'ils peuvent apporter, quoi. pour moi, la différence avec VP, c'est que VP, demain, s'ils veulent changer, il n'y a pas 50 000 joueurs. C'est genre un changement. Alors qu'en France, il y a tellement de bons joueurs, théoriquement, et des mecs de niveau de ouf comme Kenny, Shox, etc. que tu peux toujours changer et améliorer d'une façon ou d'une autre. Enfin, tu peux. Genre VP, ils font un changement, c'est pas sûr qu'ils remontent au top de suite, etc. Mais là, en faisant des petits changements comme ils font régulièrement, tu gagnes un major derrière à chaque fois. Enfin, pour les deux shuffles, il y a eu un major gagné après, tu vois. C'est le résultat, c'était des mecs comme Shox, Kenny, ils veulent gagner. Et rester stable avec les mêmes gars, c'est bien, mais t'es pas sûr de gagner. Surtout en France où. Faut changer toutes les années pour que ça marche, quoi. C'est surtout Mais qu'en après. France, on a. Ah non, je vais juste dire un truc. Non, je t'en Je prie. te coupe la parole. Je trouve qu'en France, on est trop sur le court terme en termes de résultats, je trouve. Bon, pour ma part, je trouve qu'on est trop là en train de demander. C'est vrai que la communauté est un peu aussi. J'ai perdu mon mot. Demandeuse. Ça se dit, demandeuse? Je sais Ouais, pas on va comment ça se dire dit. oui. Demandeuse de Avide. résultats, quoi. Voilà, avide de résultats. C'est-à-dire que si tu fais des mauvais résultats, bah, tu vas te faire enfoncer par tout le monde. Si tu fais des bons résultats, on va t'en demander encore plus, tu vois. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, je trouve que malheureusement, je trouve que par rapport à beaucoup d'autres équipes, en France, on est un peu trop avide de résultats pour les équipes. Ouais,
Ouais, mais des joueurs comme Shox, Kenny et tout, tu peux toujours, tu leur demanderas toujours plus, sauf s'ils Bah enchaînent des oui, majors. ça c'est sûr, c'est parce Enfin, que les c'est des mecs, ils... anciens champions, enfin voilà, c'est des légendes quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est des légendes, c'est le monde, quoi, clairement, en termes d'individualité. Ils sont complets, ils savent tout faire, enfin, c'est des monstres. Donc, enfin, PVP, ouais. c'est quart ou demi de major à chaque fois. Là, les deux, c'est ça passe pas les poules de major à chaque fois en ce moment. Depuis bah, les deux cette année, quoi. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est pas que un constat aujourd'hui. C'est toute l'année, aucune des équipes françaises n'a passé les poules d'un major, quoi. Le truc, c'est que c'est un cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire que quand tu changes un joueur, t'as un pic de forme instantané parce que ton équipe, elle est toute fraîche, elle est imprévisible. T'arrives à surprendre tout le monde se sent relativement à l'aise dans une jeune équipe. Alors que et le truc c'est que dès que ça va plus, du coup on a envie de retrouver cette sensation et c'est pour ça qu'on a toujours des shuffles pour réapporter un peu de la nouveauté et redevenir imprévisible. Alors que CS ça fonctionne quand même beaucoup à l'anti-strat, connaître par cœur ses adversaires, avoir des bonnes habitudes, et j'ai l'impression qu'en fait les équipes françaises, dès qu'elles arrivent à ce stade où il faut aller un peu plus loin que bah cet effet de surprise, de la nouveauté, etc., on stagne et du coup on choisit cette solution qui est pour moi la solution de facilité, quoi. C'est-à-dire que je serais pas étonné que cette nouvelle super team fasse d'énormes résultats les 2, 3 premiers mois après la création. Je veux dire, un peu comme les Mercenaries avant de devenir LDLC, ils ont été tout de suite à un niveau assez ouf, quoi. Et après, ils ont eu un tout petit creux avant, bien sûr, de revenir au top avec les majors, etc. Mais il faut, je sais pas, il y a une étape à franchir que les équipes françaises n'y arrivent pas. Là où VP, justement, bah, oui, ils ont des résultats constants en majeur, mais attention, entre les gros events, ils ont quand même des events moyens, où ils font des perfs catastrophiques, quoi. Et Je comme sais plus Undyne c'est quoi, surtout. c'est genre les Star Ladders, si je dis pas de bêtises, où ils ont été éliminés en premier. Ils font des games qui sont vraiment qui font mal au cœur quand tu les vois. Et pourtant, voilà, ils arrivent à se remettre au travail. Et je sais pas. Moi, c'est vraiment, ça reste mon exemple avant tout. Et pour moi, c'est un cercle vraiment vicieux dans lequel se sont mis les équipes françaises depuis plusieurs années, quoi. Je sais pas. Pour faire un bilan, chacun, on va dire un mot pour exprimer ce qu'on pense de ce shuffle. Coco, d'abord, un mot, un seul mot. Top. Après, j'ai entendu le petit discours de Weeper. Et j'ai presque envie de reprendre son mot curieux, quoi. Curieux. J'hésite entre top et curieux. Top, parce que voilà. Ouais, parce que c'est la Dream Team, entre guillemets, mais c'est vrai que, comme Ouais, tu mais tu disais, vois, Weeper. Dream Team, oui et non. Dream Team, j'aime pas le mot, parce qu'on se retrouve avec un mec comme Body. C'est la Body, c'est un Dream peu Team. Body, c'est l'avenir. quand même. C'est l'avenir, exactement. C'est complémentaire dans les rôles. Dream Team, tu mettrais pas Body, enfin je sais pas, tu mettrais Scream, voilà, enfin, on en revient toujours au même, mais non, j'ai pas envie de dire, moi j'aime pas le mot Dream Team, mais non, bah ouais, top quand même, juste parce qu'il y a Shox et Kenny, quoi, et je suis curieux de voir là, Ok. je suis curieux de voir ce que ça va donner, quoi. Nel. Enfin. Shox et Kenny ensemble, enfin. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Ben non, Donc mais c'est. toi t'es enthousiaste à 100%. Oui, carrément. Tu Parce penses que que. cette line-up va marcher? Ah, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Mais D'accord. j'ai un côté qui me dit, ah, c'est dommage pour l'autre équipe. Pour la deuxième équipe, si elle se crée, même ça Justement, sera toujours on va en loin. parler juste Voilà. après des grands perdants de cette histoire, Mais, mais ouais. enfin, clairement, sur le papier, voir les deux ensemble et tout, enfin, c'est quand même une anomalie que les deux aient jamais joué ensemble, quoi. Théoriquement, c'est Ok. vu par beaucoup les deux meilleurs joueurs, ils avaient jamais joué ensemble. C'est le moment. Du coup, Weeper, je te redemande, mais curieux, je pense, ça reste Non, sur. ça n'a pas, ouais, ça a pas changé. Curieux. Ok. Vraiment, j'attends de voir dans 3-4 mois, quoi. Alors, pour finir sur cette line-up, numéro 1, donc on répète un peu la line-up. Shox, NBK, Kenny, Apex et Body en dernier, donc. Et ça serait donc un coach Smith. Yes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait que Smith passe en tant que coach et donc ne serait plus joueur actif, ça serait. Enfin, je sais pas depuis combien de temps il joue parce que. Alors, il joue depuis environ 2006 au haut D'accord, donc ça niveau. fait quand même 10 ans, plus ou ouais, moins, 10 voilà. ans de jeu, donc c'est quand même un joueur qui a été présent sur toutes les grosses line-up sources, etc., si je me trompe pas. C'est Yes, ça alors, exactement. petite info déjà. Bah, alors, ouais, c'était un monstre sur source déjà au sniper, faut le savoir. D'accord. Il avait le choix entre être joueur dans la deuxième équipe, qui se pourrait se former. Il aurait eu sa place quasiment sûre, ou d'être coach dans cette équipe. Globalement, niveau salaire, ça aurait été pareil. Donc c'est lui qui a vraiment fait le choix de privilégier ce côté. On va essayer de gagner des titres, même si j'arrête de jouer. Donc c'est son choix, lui. Il a vraiment. Il a donné sa réponse il y a quelques jours seulement, juste avant la news, quoi, le jour avant. Et il a vraiment longuement hésité entre les deux. Et c'est vraiment ce qu'il a décidé. Genre pendant une dizaine de jours, il a réfléchi et il a choisi de faire ça. Ok. Ça encore, je vais me tourner vers vous, on va tourner vers Weeper d'abord. Qu'est-ce que ça t'en penses du fait que le move de Smith, est-ce que
Tu penses que c'est un peu dur ce que je veux dire, mais est-ce que tu penses que ses performances et le fait que le public l'ait remarqué, qu'il était un petit peu quand même en dessous par rapport à tous ses autres coéquipiers, ça a joué sur le fait qu'il passe coach? C'est un sujet épineux puisque comment dire, le débat autour de Smith ça a tellement été enfin ouais, bah, débattu dans tous les sens que c'est toujours assez dur de donner un avis. Pour moi, il ne mérite pas l'avalanche de comment dire, de commentaires négatifs, on va dire, qu'il a pu recevoir. C'est clair qu'il a eu des contre-performances et à des moments où il n'était pas hyper bon, mais d'une manière globale, j'ai trouvé quand même toujours assez solide. Mais le truc, c'est que il avait le rôle de sniper pour son équipe et aujourd'hui, un sniper. Enfin, tous les snipers qu'on a en tête, ce sont des mecs ultra flashy et Smith l'est pas du tout. Ouais, c'est Et donc ça, forcément, c'est il a pas du tout le beaucoup même souffert profil, de quoi. ça. Du coup, son passage en tant que coach, enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis un peu déçu parce que enfin, je suis déçu dans le sens. J'aurais bien aimé qu'il continue à jouer et qu'il prouve à tout le monde qu'il mérite, entre gros guillemets, sa place dans le top FR et le top Inter. Mais sa place en tant que coach, je suis assez content pour lui parce que je pense qu'il peut très bien assurer ce rôle, c'est-à-dire que bon, je les connais pas personnellement, mais d'un point de vue extérieur, il a quand même l'air de s'entendre un peu avec tout le monde, d'avoir un peu de tact et c'est ce qu'on va lui demander. Et en plus de ça, je pense que tactiquement, enfin au niveau du jeu et tout, je pense qu'il peut apporter quelque chose avec une vue globale. Donc je suis assez enthousiaste, on va dire, de ce choix. Après, de toute façon, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelqu'un qui semble avoir un rôle derrière, pas forcément que, comme tu le dis, un AWAP, genre un peu à la Kenny, un peu à la, je perds mes mots, j'ai oublié le nom du Slovaque. Oh là là, honte sur moi. Guardian, Guardian, Voilà, Guardian. Simple. Voilà, exactement. Donc des gens qui sont là en train de faire des kills, des beaux kills, en train de se montrer. Lui a plus un rôle de sniper beaucoup plus passif, comme on disait. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui venaient à pêcher sur certains moments sur son skill, quand même. Il n'y a pas à se mentir, il y a des performances où il nous a quand même montré des choses qui étaient très belles. Moi, je trouve que notamment, il était beaucoup plus fort au rifle qu'à la WAP, qui était beaucoup plus percutant, qui était beaucoup plus utile. Et il s'est stagné et il s'est borné sur un rôle d'AWAP que je trouve n'y allait plus. Après, c'est sûr que c'est compliqué quand t'as été un AWAP pendant très longtemps de passer à une autre arme, hein. Mais je trouve que, enfin, je trouve et je pense qu'il a un rôle secondaire dans l'équipe. Ça doit être l'un des piliers, je pense, au niveau de la com, au niveau de la mentalité, au niveau de la motivation, etc. Et je pense que c'est vrai que ça peut être un atout en plus et ça permettrait peut-être à l'équipe directement de se focus dans le game. Et lui, vu qu'il connaît vraiment bien les joueurs, d'être un peu plus présent parce que Niak faisait ce rôle un peu plus avec le casque, etc. Mais je pense que il restait un peu en dehors encore une fois. Alors que là, c'est quand même un ancien joueur, donc je pense que tu peux te dire, tu lui Il a fais une confiance dans ce qu'il légitimité, dit, ouais. quoi. Voilà, exactement. Après, c'est dommage de voir un joueur comme ça s'arrêter, mais je pense qu'il Après, il pourra reprendra reprendre son. après, on sait pas. Exactement, on sait pas, ça se Mais. trouve, voilà, ça va changer. Mais c'est vrai que passer de joueur à coach, c'est une grande décision et franchement, ça peut être que bénéfique pour cette équipe, je pense. Moi, je pense que le plus important, c'est pas forcément qu'il soit coach, c'est juste qu'il soit là. Parce qu'il faut savoir que Smith, en dehors du jeu, genre c'est un petit foufou qui arrête pas de faire des blagues, trop sympa, qui met la bonne ambiance, qui est super important pour l'équipe, Un petit foufou. qui, enfin ça, Belle expression, qui, je vais la tweeter très bien. voilà, ben, Petit je vais foufou. peut-être éditer au montage, je sais pas. Et vraiment il est très important, il connaît tous les joueurs, il rigole avec eux, enfin il est très important pour l'ambiance, et ça sur long terme aussi je pense que ça peut être super important, et même avec un regard extérieur en coach, pouvoir avoir les bons mots, c'est des mecs qui, bah c'est pas un manager, il connaît le jeu, il sait ce qui se passe, il observe des trucs, il peut bien donner des trucs plus importants in-game, etc. Je pense que ça peut faire la différence. Et sur le long terme, comme j'ai dit, vraiment, peut-être devenir les Virtus Pro français, qui sait, grâce à Smith qui est là derrière pour souder les joueurs. Et toi, Coco, t'en penses quoi de ce rôle de coach pour Moi, Smith? je suis déçu. Il était temps, Je suis peut-être, non? Je sais pas. Moi, je suis déçu dans le sens où j'aurais pu vu. Moi, je voulais absolument voir Existence en coach derrière la Dream Team, enfin entre guillemets Dream Team française. Je voulais vraiment Ah, Exi. l'éternel nom Yep. de celui qui n'a pas fait le deuil d'Existence qui est toujours Voilà. présent, Moi, je toujours voulais là dans vraiment vos Exi. cœurs. Enfin, le tacticien pur, le mec qui a tout compris à CS. Ouais, je sais pas. Je le voulais vraiment derrière les mecs. Après, c'est vrai que dans le sens où en Après, il tant que veut pas coach arrêter, hein. mental. Ouais, mais C'est ouais, on surtout est ça. d'accord. Sinon, je pense que ça c'est le premier sur la liste. Ah, tu penses que il a une Moi, je pense, ouais. proposition ou pas? Ouais. Je sais qu'il a eu à une période. Il a Pour une Envy, une autre proposition équipe, chez alors je vais Envy, le si je me proposition souviens pour bien. Envy. Ouais, pour Oui. Envy, avant Maniax, je crois.
avant que Maniac revienne, ouais. Quand ils cherchaient quelqu'un, ils avaient proposé Exim et je crois qu'il était encore chez... Et lui, chez il a dit non. Chez Titan, je crois. Non, chez je G2, peux... Titan, je sais plus. Il était chez G2, mais je pense que... De toute façon, il l'a jamais... Il a jamais voulu. Il a déjà dit plusieurs fois que c'était un, c'est un mec qui aime pas regarder jouer, qui aime pas regarder jouer les non, gens. C'est faim, un mec qui il veut jouer, faim, quoi. Il veut bouffer le jeu, il veut la souris. Ouais, non, mais d'accord. Genre, ouais. Je suis déçu dans le sens où je voulais le voir derrière Shox et Kenny. Après, Smith, ouais, je l'aurais bien vu dans l'équipe numéro 2 quand même. Il faudrait revenir sur cette équipe. Mais d'un côté, 2. Ouais, le voir passer en coach, ça me choque pas. Je reviens toujours aux stats, mais là, j'ai les stats sous les yeux. Sur ses 20 dernières compètes, il a 3 compètes où il est au-dessus de 1 en termes de rating, quoi. Après, il est constant, mais constant bas, quoi. Et, moi, je trouvais plus percutant maintenant. Je trouve qu'il a une longue Smith, il était bon, traversée hein. du désert. Il a une longue période où vraiment, je trouve qu'il menait l'équipe, entre guillemets, pas vers le bas, mais qui faisait partie intégrante des défaites, parce que, comme c'est un sniper, je pense qu'il loupait pas mal de choses, ça devait jouer sur son mental également, donc ça devait pas être facile tous les jours, mais je trouve qu'il a eu une inconstance pendant très longtemps, ou alors une constance vers le bas, quoi, pendant très longtemps, une grande traversée du désert, et là, je trouve que depuis qu'ils avaient, Qualifier était bon, hein. Vraiment. Ouais, au Qualifier, je l'ai pas trouvé. Ouais, mais nul, Qualifier, vraiment. Il a fait un très bon match, quoi. Ouais, mais le plus important, je crois, non? Il a défoncé Envy, quoi, c'est tout. Quand tu regardes les autres matchs, il est à la rue, hein. Enfin... Mais après, on sait pas. Mm. Ouais, la seule interrogation avec Smith, c'est qu'on n'est pas à l'intérieur de l'équipe, on sait pas ce qu'il apporte. Ah, mais je pense qu'il doit avoir un rôle secondaire parce que. Si, il apporte beaucoup. Pour garder un joueur comme ça qui est pas constant. Non, mais c'est ça, ouais. C'est sur une aussi longue période, soit il y a un veto dessus, c'est-à-dire que quand tu choisis de faire une équipe avec lui, t'as un veto et tu peux pas le kick, quoi. Soit il a vraiment un rôle derrière qu'on ne connaît pas, quoi. Ouais, c'est une énigme, hein, le mec. On a plusieurs hypothèses. Copain avec Ox. Est-ce que c'est un mec qui met le mental à tout le monde? Est-ce que c'est un. Moi, je vous dis est-ce que c'est le deuxième lead? Est-ce que. Moi, je pense voilà. que oui. Alors, moi, je voilà. pense que oui. De ce que j'ai aussi pu voir, je me souviens que c'était à une DreamHack où j'étais derrière eux. J'avais bien regardé Smith et Exis s'appuyait tout le temps sur Smith à l'époque. Il balançait des calls, il donnait des infos sur l'Ice Run Echo, machin. Il épaulait vraiment Exis tout le long et Exis s'appuyait sur lui. Donc, il peut vraiment avoir des rôles comme ça. Il pouvait avoir des rôles comme ça in-game. Et enfin voilà, pour revenir que sur ce rôle là quoi. C'est comme au foot quoi, c'est le mec qui est important dans le vestiaire, mais sur le terrain voilà. C'est pas un monstre quoi. C'est pas Laurent Blanc, c'est Jean-Louis Gasset. Voilà. Pour ceux qui comprendront. Non, donc faut vraiment être dans l'équipe, je pense, pour mettre Smith en valeur, je pense. Mais d'une vue extérieure, ouais, ça me choque pas qu'il passe coach, clairement. Ok. Bon, on va passer à l'équipe des perdants. C'est le gros bâtard, c'est l'équipe des losers. Non, on va passer entre guillemets ou bah, quand même, c'est les perdants de la grande histoire. C'est les joueurs qui sont de côté. Alors, les joueurs qui seraient de côté, ça serait donc à la surprise générale, Scream, Happy, RPK et Sixer. Et donc, pas Smith, puisque Smith est parti directement en tant que coach, comme on l'a dit. Ah, on l'a pas précisé également, mais Niak serait donc le manager chez la Dream Team. Niak qui reste... C'est l'un des plus importants et les plus imposants sur la scène, même si Next fait du bon boulot aussi. Le grand Manitou. Ça voilà, ça reste la référence quoi. Et donc cette line-up Scream, c'est pas une line-up, RPK, hein, c'est... ouais, c'est pas de line-up, ouais. c'est joueurs Scream, alors, RPK. Les infos. J'ai oublié. Sixer et Happy. Que se passe-t-il à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il n'y a rien de clair. Est-ce qu'il y a des suicides? Est-ce qu'il y a des raccrochages de souris? Qu'est-ce qui se passe? Non, alors la clé, ça va être Happy. Si Happy veut faire une équipe, RPK et Scream le follow de suite. De ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a dit, rien d'officiel. C'est pas les joueurs qui me l'ont dit, c'est l'entourage des joueurs, etc. Donc si Happy veut faire une équipe, il trouvera une structure, il trouvera des joueurs avec lui, pas de problème. Sinon, il y a certains joueurs qui seront de côté. Enfin, moi j'ai jamais entendu Sixer dans une équipe avec eux, déjà. Ça serait genre un mélange de quelques LDLC, donc notamment toi nous qui pourrait venir en sniper. RPK Scream, Happy et éventuellement un last. Un mec pour ouvrir. Ça c'est, on va parler un peu de ça, du subtop, etc. Okay. Un mec du subtop. Mais c'est pas une info, hein. c'est ce qu'on a entendu. Je serais chez LDLC, toi. De toute façon, s'il y a une équipe à faire monter dans le subtop, c'est bien LDLC qui sont en train de prouver que. Oui, enfin, ouais. Existence est en train de nous prouver qu'ils sont en train de. Non, ne parle pas de cette autre équipe. Mais, ou un mec comme Adji, Amanek. Oh là là. Mais Amanek, c'est trop tôt. Mais. Ça, c'est bon. Jamais. Attends, je peux te dire que le nom est évoqué et je sais, je sais très bien. Je sais très bien que le nom a été évoqué pour une line-up avec Happy, puisque Amanek est un joueur qui est très suivi par les tops. Autant ils le disent pas, tu vois, mais il est très suivi.
C'est-à-dire que les résultats qu'ils font, etc., ils regardent pas mal leur performance. C'est vrai qu'il a regardé, qu'il impressionne certains, mais voilà. Concernant les autres joueurs, la line-up sub top, donc bah, de toute façon, LDLC, ça, c'est la line-up qui fait plaisir à voir et qui mérite de monter, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Weeper, toi, dans les équipes du sub top qui pourraient être influencées avec les quatre joueurs? Bah, je suis tout à Tu fait verrais d'accord avec quelqu'un ça, d'autre ou quoi. pas? Pas vraiment, c'est vrai que on a parlé d'LC et de Vexed, c'est les deux meilleurs teams FR actuels de manière assez indéniable. Maintenant, c'est vrai qu'LDLC, ils font particulièrement plaisir, parce que voilà, il y a l'ESWC où ils font deuxième et ils ont montré vraiment de très belles choses. Ils ont lésé la première avec la qualification qui était compliquée, et donc là, on va avoir le dénouement dans 3 jours, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, Yes. lésé la première, donc. C'est vraiment, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est vers ces teams-là, enfin, vers ces deux équipes-là que les joueurs vont se tourner pour reformer éventuellement une autre équipe française. Et je dis malheureusement, parce que moi, le DLC, j'ai vraiment pas envie de les voir exploser maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre un Ah bah moi, premier ça me fait gros très plaisir de les pas. voir jouer. Ouais, c'est exactement, ouais, Ils mettent c'est. un pied là, dans le top et j'ai pas envie que ça explose maintenant, quoi. J'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller, parce que vraiment encourageant, notamment contre Godsent, notamment contre des très, très bonnes équipes inter, donc je sais pas, moi j'ai pas envie de les voir exploser maintenant, mais malheureusement User, your channel timed out. en étant un peu réaliste, ça risque quand même forcément d'arriver, quoi. Mais ça, c'est l'éternel problème de CS, de toute façon, avec le subtop. Dès que t'as des mecs qui percent, entre guillemets, qui se montrent, ils seront piochés. Donc tu pourras jamais avoir, si t'es très bon, tu pourras pas être stable dans le subtop français. Ouais, mais quelque part, les LDLC White, ils ont plus ou moins, enfin, ils ont été pick après avoir raté un event, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, ils ont raté, si je dis pas de bêtises, des qualifs majeurs, et après, ils avaient plus grand-chose à se mettre sous la dent jusqu'à ce que Devil et Ouais, Blizz soient pick chacun de leur côté, quoi. mais ça a traîné parce que les équipes françaises du top team, les deux premières, tournaient bien. Et dès qu'il y a eu un coup de mou, bah on s'est rabattu sur la meilleure équipe du sub-top français, quoi. Et ça sera toujours ça, quoi, c'est sûr. C'est l'équipe qui mérite, je pense que. Depuis les WSC, avec le résultat à l'Assembly Winter également, le résultat pendant le Minor aussi, quatrième, je crois, si je me trompe pas, pendant le C'est Minor ça, ouais. qui avait Non, lieu il y a ils passent pas les quelques. poules. Ils font 5-6. Ils perdent contre Non, Godsent. Ils Non, battent c'est à Godsent une l'Assembly première alors, fois et ils non? perdent Ouais. Ils Godsent. perdent en BO3. Ouais. Ah, d'accord, ok, ouais, j'ai dû me tromper alors, Et alors, c'était. moi, de ce que je sais pour LDLC, Exy est très satisfait de l'équipe. Il serait pas contre quelques petites améliorations éventuellement si l'équipe ne se fait pas. Bah, un mec comme Scream, Happy, ça peut l'intéresser, voilà. Comme Happy, les deux seraient Alors, dans la faut même savoir équipe. que Happy plus Exy. Exy et Happy ont commencé CSS ensemble en 2006 dans la même équipe Hardcore Style. Ils ont longtemps joué ensemble, donc avec cette équipe, puis après avec Epsilon, et ils se sont même retrouvés chez Very Games après. Donc ils se connaissent bien. Happy était pas leader à l'époque, c'était plus, enfin c'était un joueur concrètement, clairement. Et voilà, en gros. Ok. Donc, du coup, ouais, ça serait. Qui seraient les perdants chez LDLC à ce moment-là? Qui est remplaçable, à votre avis, chez LDLC à l'heure actuelle? Qui est Bah remplaçable? Qui n'est plus malheureusement remplaçable? Mistou. Mistou XMS, je pense. Le Bah j'ai du binôme. mal, ouais. Je sais pas. XML, je sais pas. Je, Alex, alors, moi, je pense alors. qu'Alex a une place indispensable avec Exy maintenant, je pense. Parce qu'Alex a montré de Yep. très belles choses. Exil adore et veut le garder, oui. Et toi, nous, Alors, il est XML, indispensable. Alex est observé par les équipes du top FR aussi, quoi. Oui, c'est vrai aussi, Il c'est a un vrai rôle tellement particulier que. d'ouvreur, enfin. C'est un Ouais, mini faut savoir Apex, quand quoi. même. On m'avait même dit, au moment où Sixer a été choisi, qu'il y avait des discussions pour que ce soit Sixer ou Alex chez Envy. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit, pour remplacer J'ai Devil. entendu parler, ouais. Donc, c'est pour dire à quel point il est intéressant, même s'il a eu quelques soucis. J'espère qu'il va Yep. beaucoup mieux, il revient beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Mais ouais. Donc, ça serait une line-up avec une base de Exit, Wanou, Alex. Et du coup, les grands perdants, ça serait XMS et Mistou qui seraient pour vous remplaçables, quoi. C'est vrai qu'après, quand il y a des joueurs comme Ouais. Scream et Happy Après, c'est qui te toquent dur, à la oui, porte, voilà. c'est compliqué, Même quoi. Enfin, c'est RPK, compliqué. Exil connaît très bien. Enfin, il était même dans Et j'aurais. l'équipe Epsilon de l'époque et tout. Enfin, il y avait vraiment. Ouais, Il connaît, donc. quoi. J'aurais quand même du mal à voir Happy aller jouer avec les mecs comme chez LDLC plutôt. Je verrais plus jouer avec ses potes. Ah, mais après, ses potes sont bannis, c'est Ses vrai. potes sont bannes, effectivement, Ouais. tous se bannent. Non, Aussi, mais ouais. oui. J'avais presque oublié ça. Parce que sinon, je l'aurais bien vu Bah sinon, rebondir avec eux, quoi. il ne va pas redescendre avec une équipe qui peut pas faire de gros events, quoi, ça c'est sûr. Non, oui, On non, ne je verrait le pas savais, aller ça. chez Oli, etc. Donc ça c'est voilà. Ok, donc ça c'était pour les équipes sub top. Et vous voyez pas d'autres joueurs qui pourraient s'ajouter, des joueurs qui sont sans équipe, comme Devil, comme Maiden, comme déjà comme ça? Je pense pas. Non. Non, Même je vois pas Maniac, Devil non. retourner avec maintenant. Maniac, pour Maniac, moi, il s'est cramé, je pense. Devil, au niveau du top? Et aussi un Ouais. truc qu'il faut pas oublier, c'est peut-être Scream qui pourrait partir à l'étranger éventuellement.
Si, enfin, il l'a déjà fait, je pense qu'il pourrait le faire. Ouais. Mais même aux États-Unis, je pense qu'il peut avoir de très bonnes offres. Je pense que un Scream aux USA, ça ferait. L'équipe qui a les Sixers, là, qu'est-ce qui a racheté les Sixers? C'est quelle équipe? Dignitas. Voilà, c'est ça. Donc, même si. Apparemment, Sean Garrett serait en contact avec Dignitas. Enfin, bref, moi, je sais qu'il y a la rumeur de C9 qui aurait proposé un truc à Scream. C'est une rumeur, je sais pas du tout ce qu'il en est vraiment. Avec donc, un bon. Gros salaire, je pense. Ouais. Oui, mais c'est une grosse rumeur aussi, donc ça se trouve, okay. C'est rien du tout. Bon, on en reparlera peut-être plus tard dans des futurs flics show. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette émission. On va lire les questions que vous nous avez posées, puisqu'on vous rappelle, il y a quelques jours, on vous a demandé avec le hashtag. Pas de hashtag. Je suis à la télé, je suis là avec le hashtag. On fera ça la prochaine fois, on fera un hashtag et vous nous poserez directement vos questions dessus. C'est Nel qui s'est permis de vous demander des questions, et il y a pas mal de questions qui ont été posées, donc on va essayer de les faire assez rapidement. On va essayer de les répondre assez rapidement, donc on essaye de pas s'étendre trop longtemps, parce qu'il y a quand même pas mal de réponses qui ont déjà été données durant le reste de l'émission. Allez, c'est parti pour la première question. Alex, la Gazette. Alors, qui nous a posé la question. Très très il bon. Nous dit quel line-up va jouer WESG, la Super Team ou l'autre? Donc WESG, alors, qui est donc le prochain gros événement avant le Major qui arrive. La Super Team, on ne la verra pas logiquement avant après le Major, quoi. Donc ça sera NVS qui ira au WESG. Voilà, donc ça n'influe pas sur l'équipe qui va. Très bien. Deuxième question. De Shizo, je vais donner les prénoms, enfin les pseudos de Twitter, ça sera plus vite. Skizoli qui nous pose la question, une line-up incluant Happy Existence est-il envisageable? J'ai envie de te dire oui. Il a déjà répondu. Tout à l'heure, on a déjà dit qu'ils ont déjà joué ensemble. C'est pas impossible. Oui. Directement. Raphaël 900 qui nous pose la question, tu as des infos pour l'org qui va l'emporter? Donc l'org, je pense que c'est l'organisation qui va récupérer cette line-up Dream Team. Donc on parle toujours de la même. De ce que j'ai, G2 a proposé 20K et Astro a dit qu'il matcherait toute offre. Est-ce que toi, alors, Weeper, t'aurais une préférence? On va attendre, on va avoir la révélation finale. Mais Weeper, toi, t'aurais une préférence de voir comme attaque peut-être G2? Pour le coup, aucune préférence. À part PSG, ça serait sympa, mais je crois que c'est même pas envisageable. Mais non, aucune préférence. Moi, j'avais entendu une rumeur comme quoi le PSG Vitality, donc l'équipe Call of Duty, enfin la fameuse organisation Call of Duty, serait en négociation pour récupérer une très grosse équipe CSGO. Mais vraiment, peut-être que ce serait le moment. C'est ce que je viens de dire, PSG et Vitality, les deux. Et de PSG investir sur CSGO. Ouais. Ça serait déjà en route, caché sous Vitality, quoi. Ça. Ouais. En gros, ça serait un espèce de partenariat entre les deux. Il y aurait un espèce de PSG Sport Vitality. Il y aurait le PSG, c'est quand même cliqué, tu vois. Ça serait quelque chose de. Ouais. Okay. Vu comme ça, ouais, indirectement, ok, d'accord. Ouais, exactement. Et je sais pas, ça serait. Il trouvera un nom. Hein. Il trouve toujours des noms pour les trucs. Un PSG Academy ou je sais pas. On sait pas. PSG.Vitality. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Hein, mais non, t'aurais ça serait. Pas le... Oui, t'auras pas d'étiquette CSGO accrochée au PSG, hein, c'est sûr. Non, je pense pas. Il faudra attendre très très longtemps. Ils trouveront un truc derrière, tu vois, mais oui, non, ça serait déjà en route, tu vois. Et le shuffle, il y a déjà des discussions, par exemple, qui seraient en route, puisque le PSG semble quand même intéressé par pas mal d'équipes du sub top de CSGO. Alors justement, pour répondre à la question, à l'heure actuelle, enfin, c'était il y a deux jours, G2, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est une info, voilà, il pourrait pas, donc, avoir la grosse équipe parce que c'est trop cher, ça serait un effort financier trop grand. Envy pourrait facilement, et donc voilà, pour l'instant c'est Envy qui tiendrait la corde sur G2, qui pourrait éventuellement récupérer la deuxième équipe si ça se fait, enfin bref. G2, il n'y a pas d'autres organisations qui rentreraient en compte? Ils pourraient, ils sont libres à la fin du mois, donc t'as pas d'infos là-dessus? Non, je sais que Envy peut matcher n'importe quelle offre et G2 ne peut pas. Voilà. Ouais, Envy a des moyens, mais qui sont quand même G2 pourrait, mais ne va pas, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais sachant que les mecs sont libres là d'ici quelques temps, pourquoi on parle d'offres et tout? Il y a pas de rachat de contrat, il y a pas tout ça. Oui, mais c'est non, c'est non, mais c'est les exigences c'est de contrat, en fait. Salaire, c'est le cahier des charges. Oui, ah oui, on parle de ça, ouais, on parle de salaire. On parle clairement du salaire là. Okay. On parle de salaire mensuel, on parle de bonus, on parle de tout ce genre de choses. Je pense que voilà. C'est... le pourcentage des stickers, ah, etc. Non, mais... voilà, exactement. Le vu que le mec dans le tweet, le viewer, il parlait de 20 000. Et correspond à c'est... quoi les 20 000, c'est... 20 000 par mois, par joueur, joueur, oui. Ça correspond plus ou moins à ce qui va se faire. Ouais. Sachant qu'actuellement, si on peut donner des chiffres, ils sont un tout petit peu moins de 10 000, quoi.
Ça dépend les joueurs, en fait, je crois. Ou ils sont à 10 000, quoi. Ils sont aux alentours de 10 000. À peu près, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est à peu près un ordre d'idée aux viewers, quoi. C'est exactement. Ça, puis après, encore une fois, ça dépend des joueurs, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont plus de, qui gagnent plus en fonction de leur statut. Alors, la question de Dame CSGO qui nous dit d'accord. Alors, oui, j'en ai une, pourquoi? Ne pas avoir fait le shuffle avant. Ok, j'étais en train de lire la question en mode robot. Robot Google. D'accord, oui. Alors, genre, non, d'accord. Pourquoi ne pas avoir fait le shuffle avant? Eh ben, bonne question. Nel, je pense que. Les contrats, non? Parce que, bah, il y a les contrats. Le truc, c'est que ça, cet été, il y avait une première, premier changement qui était dans l'air, ça s'est pas fait pour des raisons de contrat trop gros, trop, enfin ça coûtait trop cher. Et enfin surtout c'est dur de racheter des joueurs de Envy, tu vois, voilà. Et globalement, parce que voilà, ça s'est pas fait, ça met du temps à se mettre en place. Et là il y a pas de contrat, le timing est parfait pour partir ailleurs ou recréer un truc de zéro sans racheter des contrats. Voilà. Peur, une idée de pourquoi ça peut être fait avant? Non, absolument pas. Je te rappelle plus tard. Salut, Winter. Non, mais ils avaient eu des petits changements. Franchement, quand on n'est pas inside, quand on n'est que observateur comme je le suis, c'est quand même assez compliqué d'avoir une idée de ce qui se trame. Mais pour toi, il aurait fallu le faire avant le shuffle? Genre peut-être au moment où Devil a été. Pour lui, il faut pas le faire du tout. Bah pour non, toi, faut pas comme le je faire disais, du pour tout moi, les deux équipes étaient viables et c'était, on peut avoir deux équipes dans le top. Non, pour moi, non. Et juste Weeper, tu trouves que le pick de Sixer est c'est un bon choix? Je pense qu'au moment où il voulait pas de ville, il n'y avait malheureusement pas grand monde d'autres. Je pense que c'est un bon choix, je pense qu'il a prouvé aussi qu'il faisait le taf, mais ni plus ni moins, quoi, malheureusement. De ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, il fait le taf et voilà, quoi. C'est pas une nouvelle star, par exemple, quoi. On est d'accord. Allez, on va enchaîner assez rapidement sur les dernières questions. Alors, on a Rico CS qui nous dit « J'ai une question concernant Smith, est-ce qu'il s'est proposé comme coach ou c'était une décision collective ?» Eh bah, on a déjà répondu. On sait pas trop, mais globalement, c'est une décision collective. Enfin, ils l'ont proposé, voilà. Voilà. Après, c'est quand même lui qui a pris son temps pour parler, pour discuter décidé, et pour réfléchir. Et voilà. Yep. Remel qui nous dit « Question qui revient le plus souvent, pourquoi pas Scrim ?» On l'a expliqué. Ah, ça, c'est le grand point d'interrogation. Bah, oui. Mais, quelqu'un a dit non, voilà. Et a priori, c'est une décision d'un joueur de la Dream Team qui ne voulait pas jouer, deux, Scrim, on le rappelle. Voilà. D'un ou plusieurs. Voilà. Le côté professionnel prime-t-il sur le plan personnel? Car mettre des joueurs sur le côté comme ça, c'est chelou, non? Freeman CSGO qui nous pose cette question, c'est chelou. C'est aussi une question d'alchimie. Il y a des joueurs stars. Bah, ça sera Kenny, Shox, Apex en ouverture. Donc voilà. Et il faut des mecs dans l'ombre aussi. NBK, il le fait en étant support. Body va être dans l'ombre parce qu'il n'a pas énormément d'ego. Donc c'est pour créer une équipe. C'est professionnel, c'est choisir les joueurs. Et je sais que j'en ai parlé avec Shox quand il s'était fait kick de Envy. En fait, il faisait un vote, c'était 2 contre 2. Et Kyo, à la fin, il devait décider. Il a dit même si on est amis, enfin, t'es pas mon ami Richard, on est juste collègues de travail en gros. Donc je choisis de vous kicker, quoi, pour l'aspect professionnel et pas personnel. Voilà, donc là, ils veulent gagner, c'est pas que des amis, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis en parlant de Kyo, il y a Kiki du 68 qui a demandé pourquoi Kyo n'a pas été pick par la top team. Parce qu'il a un compte, il a signé, je crois, 3 ans avec FaZe. Avec FaZe, ouais. Le contrat est beaucoup trop gros pour être cassé, je crois. Si FaZe, c'est énorme. Voilà. Moi, je pense qu'il a pas sa place. Non, il a je pas pense, sa place. Je pense rigole, qu'il aurait quoi. Pu avoir sa place à la place de Body. Non, moi je pense qu'il est très bien chez FaZe. Moi je trouve qu'il a pas sa place là-bas. Il a pas. Enfin, il est. Comme il le dit lui-même, il s'en fout. Il est très bien où il est. Ouais, il est très bien. Laissez-le où il est. Et voilà. C'est un mec que je connais donc depuis pas mal de temps et je pense que il a pas besoin d'aller se mettre dans un truc avec d'autres Français alors qu'il est. Enfin, je trouve qu'il est très bien chez FaZe pour le moment. Enfin, je vois pas. Il pourrait changer. Il y a même des rumeurs qu'il annonçait aux États-Unis, mais surtout qu'il a récupéré sa place. Yep, il est bon. Non mais toi, bien. Non mais fallait en parler. Ensuite, Sherka qui nous dit « Connais-tu les raisons pour lesquelles Scrim est écarté ?» Bon, on va pas la répéter, la rumeur sur la relation houleuse avec NBK est-elle vraie? Aucune Sherka, idée. Sherka, on sait pas, on l'a déjà répondu tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est... On saura jamais sur ce côté-là. Azidot qui nous pose la question pour ton podcast. Selon vous, la rumeur semble-t-elle vraie? Si oui, en quoi elle modifierait les résultats? La rumeur. La question. La rumeur ben, est-elle vraie? La rumeur sur la Dream Team. Oui, ouais. C'est une information, donc oui. Une information, c'est plus une rumeur, mon cher Zidot. Tous les joueurs étaient au courant de leur sort avant que la news sur Flickshot sorte. Une idée du tag, Sherkla qui repose une autre question. Oui, on a déjà répondu. Tous les joueurs étaient au courant.
On va enchaîner assez vite quand c'est des réponses rapides. Est-ce que Jordan apporterait plus de satisfaction? Pourquoi préférer Niak? Est-ce que la fin de carrière de Smith joueur? On va Tous les essayer d'y joueurs répondre connaissent rapidement. Niak depuis longtemps. Jordan, ça fait. Enfin, Next, ça fait moins longtemps. Bah, Niak, il a été en coloc avec Apex. Il est très bien avec Kenny, avec Smith aussi. Il connaît bien Shox. C'était le choix le plus logique Logique, ouais. humainement, on va Et dire. la fin de la carrière de Smith en tant que joueur, je ne pense Je pense pas. pas, ouais. Donc voilà. Alors, on continue. Je suis en train de regarder les questions qui défilent. Est-ce que c'est pas l'équipe qui va se former avec les joueurs restants qui va s'imposer? Confer LDLC Titan 2014. Mais on Non. sait pas parce qu'il n'y a même pas d'équipe sûre Non. en fait. Il n'y a même Il n'y a pas pas. de projet sûr. La dernière fois entre LDLC Titan, c'était quasi sûr que l'équipe allait se faire avec les Titans, etc. Là, on n'est même pas sûr. Ça dépend d'API, ça dépend de plusieurs joueurs. Est-ce que Scrim partirait à l'étranger, etc. Donc, j'ai envie de te dire là, franchement, non. Que va devenir LDLC? On voit beaucoup Alex Stream ou FPL prémisse d'un kick. Il sera pas kick, c'est sûr, donc non. J'ai pas compris le... Parce que le... Parce qu'il stream beaucoup, il... Il a Non, plus non, de ouais. ils étaient en Il sera vacances en pas fait, c'est kick. juste ça quoi. Ouais, il se fera pas kick, il est très très proche d'Existence et beaucoup de joueurs du top le regardent avec beaucoup d'intérêt, comme on l'a dit tout à Il est l'heure. très très fort dans son rôle. Exactement. Est-ce que si par miracle G2 ou Envy gagne le Major, que se passera-t-il? Ah déjà, ça serait vraiment un Wassim. miracle, honnêtement. Weeper, un avis sur ça? Est-ce que tu penses que G2 ou Envy peut gagner le Major là? Franchement, vu le niveau de la scène et vu les surprises auxquelles on est habitué ces derniers mois, c'est assez possible. Franchement, un accident de parcours de notre équipe, un tirage favorable, Une soirée un peu trop arrosée. le format suisse en plus pour les poules, non, franchement, il y a moyen, je pense, d'avoir un bon tirage, clairement. Et tu penses que si jamais il venait à une des deux équipes venait à Bah, par s'imposer, il n'y aurait contre, plus de changement derrière? je pense que même en gagnant un major, je pense que le shuffle se fera quand même. Yes. Mais Je bon, pense c'est peu pareil. probable. Le Ok, seul truc, idem. éventuellement, Oui, si Nel, G2 a un vas-y. slot majeur, peut-être que Smith pourrait redevenir joueur, je sais pas. Enfin, je n'ai aucune Ouais, information. ça pourrait être un. Ouais. C'est juste que je dis ça comme ça. Peut-être que pour garder un slot, il serait prêt à jouer. Enfin, puis les Alors, il y a majeurs, Wassim. c'est plus non Vas-y. plus un truc de ouf, les majeurs, hein. C'est une compétition de temps en temps, c'est pas non plus la compétition. C'est plus Enfin, le. Ouais, c'est c'est plus clair qu'avec toutes les autant. compétitions qui récupèrent de plus en plus Yep. de sous, c'est vrai que c'est plus le gros qu'on pouvait avoir au début. Alors, la question qu'il posait après, c'est exactement la même, donc on va pas la reposer. Tu as des infos sur comment devenir les autres joueurs, en particulier Happy, qui est mon joueur préféré. Merci pour ton job. La question était posée par Boupkara64. Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure, Happy Yep. qui pourrait peut-être jouer avec une équipe renouée dès le DLC ou jouer avec RPK, Scrim, tout ça Après, ça pour dépendra de repartir. sa motif, sa motivation, voilà. C'est ça, exactement. Relapse Dark qui nous pose la question, Envir va remporter la Super Team G2 C'est ou possible. quelqu'un d'autre? Alors, C'est plus probable que G2, voilà. Une petite pièce as-tu sur une vie, eu quoi. des autorisations officielles pour parler du shuffle de la part de Grisouille, pure concurrence ou drama inconnu, tension avec Vacarme, etc. C'est plus des questions. Voilà. Concernant les autorisations, j'ai eu ben, beaucoup d'informations de, on va dire, de l'entourage des joueurs. Et quand j'ai eu donc une personne directement impliquée, donc qui était dans les 12 présents à Atlanta, qui m'a raconté tout ce qui s'est passé en anonymement évidemment, c'est là que j'ai décidé de publier cette news. Donc, je me suis bien évidemment assuré qu'il n'y ait aucune conséquence pour l'équipe qui se crée. Du genre qu'il n'y ait pas une histoire de contrat, que ça casse tout, etc. Il n'y avait aucune conséquence pour les joueurs. Voilà. Ok, on va finir avec deux questions. Il y en avait une qui disait de ShuGeek, quelle est la structure qui devrait abriter cette Dream Team? On y a déjà répondu. Les ligues de Yep. conversation ne sont pas dangereuses pour Smithfit. Ben, on a vu, Ça, ouais, donc Misfit, avec. Donc, c'est le frère de Kenny qui est donc manager chez Misfit, qui aimerait avoir une équipe CSGO. Et il aimerait avoir par exemple la deuxième. C'est ce qu'on lit dans les logs. Donc, Et est-ce que Misfit, c'est c'est une dangereux? structure Je française, pense pas. Misfit? Non, c'est pas français. C'est une Ok. équipe qui est première sur Overwatch. Ouais, je vois à peu près, Je mais pense qu'ils peuvent le se payer la structure. deuxième équipe. De là à ce que ça se fasse, je sais pas du tout. Et l'autre question qui nous disait, on va terminer par celle-ci, Shox ou NBK au lead ou en lead partagé comme chez Envy actuellement? Shox, je pense. Je pense Shox Shox et également. Smith derrière pour les deux. Smith qui. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire avec Smith. Allez, on en fait une toute dernière, peut-être, avec en plus l'actualité actuellement. Bsport qui nous parle de Arma Team, des infos de la line-up de chez Arma Team, ils n'arrêtent pas de dire dans leur présentation qu'ils veulent faire du CSGO. Alors, pour avoir regardé la présentation, Lewellys et Tank ont parlé d'une équipe compétitive, mais qui ne serait pas
entre guillemets, ils ont comparé ça avec LoL, le fait que les équipes en challenger demandaient minimum 1500 euros par mois, et ils disaient que eux, c'était déjà trop. Donc, à mon avis, ils pourront pas taper dans des grosses équipes et pas même du tout dans les équipes du top, du top, pardon. Ça va plutôt aller taper dans du sub-top, voire du sub-sub-top pour Yes. Amazon, Non, du je sub-top, pense. ça se fait bien. Les équipes actuelles du sub-top Des équipes sans salaire, demandent à peu oui. près Équipes sans 600 euros salaire, par non, mois. ça dépend lesquelles, si avec salaire, mais avec Yep. très peu alors, tu vois, c'est comme ça. Bah déjà, on sait que les Welis, enfin les deux principaux ne se payent pas, donc bon, c'est voilà. C'est limité Ouais, niveau budget. exactement. Alors, on a terminé pour les questions de Twitter. Merci encore d'avoir Merci, ouais. participé. La prochaine fois, il y aura un hashtag et il y aura des RT follow également et des concours. Et vous êtes prêts des avec les cafardinos, tout ça. Non, 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 mais Dédicace à comme ça, Malek. ici, on n'a pas des skins, on n'a pas des skins à tout va, nous. Donc, on va passer à la dernière partie, puisqu'il est déjà Yep. assez. On voulait faire un épisode pilote qui ne dure pas trop longtemps, mais on est encore en train de s'éterniser. Un petit peu du reste de l'actualité par rapport au shuffle qui est quand même la big news. Allez, ouais, très rapidement, mais alors vraiment très rapidement, de la nouvelle formation qui s'est formée par les Allemands. Est-ce que Weeper t'a été un petit peu informé de ça? Vous parlez d'Alternate? On parle Non, de on parle Big. de Big, donc qui est Legia, Gobi, Tapsen, Kive et le dernier. Et Nex. Next. Ça vient de se former là. Bah, j'étais pas du tout au courant, donc non, j'ai pas forcément d'avis. La scène allemande, c'est toujours assez particulier. C'est vrai que ça fait un moment au final qu'ils n'ont pas eu d'équipe qui se démarque vraiment, bah, en dehors d'Alternate, mais qui a changé Yep. de joueur il y a pas longtemps. Non, je sais pas vraiment quoi penser. Ils ont des très bons joueurs en Allemagne pour le coup, donc au niveau sub-top EU, ça peut vite faire quelque chose, à mon avis, surtout vu les noms. Ouais, il y en a quelques-uns qui reviennent quand même. Enfin, Bah, ils ont un beau trio quand même. ouais, C'est ça. Kive, Next Nex. Tapsen, ça envoie du pâté. Hein. Après Gobi, Legia, c'est Ok. moins. Ouais. Très bien, on en reparlera sûrement plus tard si les résultats venaient à suivre. Est-ce qu'il quitte CLG? Ça, c'est l'information de Nord-Américaine. Qu'est-ce qui se passe chez CLG pour que S s'en aille après 2 ans? Loyal Service, est-ce qu'il y a Bah, aussi un shuffle qui se prépare? ils sont devenus Peut-être. nazes et il veut se barrer. Voilà. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense. Enfin, là, on va pas parler de ça. Voilà. Je suis d'accord avec Ouais, toi. C'est s'éterniser vrai que. là-dessus, quoi. Mais c'est voilà, Yes. c'est un peu l'information qui était à dire. Il y a également le conflit actuellement entre Sean Gares et les PEA ou PEA, comme on appelle ça, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Et je pense que tout le monde a pu le voir ce qui s'est passé, les différentes infos à propos d'exclusivité De leur ligue. de leur ligue. J'ai envie de dire, j'ai envie de créer une nouvelle partie. On en parle ou on s'en branle? Deuxième réponse, chacun. Vas-y, vas-y. C'est ouais, je m'en On fous y est complètement, pour ouais, toi, vas-y. vas-y. Alors, conflit PEA, Sean Gares, on en parle ou on s'en branle, Coco? Je m'en fous totalement. Ok, Ok, bah c'est bon, c'est moi passé. je m'en branle Alors, pas, Tim de mais McKinney. Non, mais non, on change, ah, on change, faut que c'est ça trop tard, soit. c'est trop tard, Nel. Ouais, voilà, faut que ça tombe sur toi, c'est dommage. Team de Makelele, on en parle ou on s'en branle? Nel. Non mais on s'en branle, elle est pas ouf. Voilà. Mais si on s'en branle, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on s'en fout, quoi, on passe. Ouais, bah ouais. Bah ouais. On s'en branle alors, ok. Dignitas qui se sépare de ses joueurs, ils vont join la nouvelle équipe qui est formée, je FC pense, par Copenhague le normalement. FC Peut-être, Copenhague. peut-être. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on s'en branle, Weeper? On peut en parler vite fait. Yes. Pour en parler, parce que Ouais, c'est une équipe qui carrément, fait ouais. quand même pas mal de résultats, les anciens Bah. Dignitas, fait pas de bonne impression. Est-ce que t'as compris ce move? Reaper. Je. Comment ça, le move de partir de Dignitas Ouais, ou. toute C'est l'histoire. plus Dignitas qui a Alors non, au début mis un. c'est ce qu'on pensait. Non? D'accord, très En bien. réalité, ils ont eu une offre plus importante, et donc on parle de 20 000, c'est plus ou moins ce qui se murmure, c'est qu'ils aient 20 000 de salaire. Voilà. Ah oui, quand même, c'est Correct. quand même Donc ils un. auraient accepté de partir. Et Dignitas donc déciderait de se focus vers l'Amérique du Nord. Amérique du Nord, ça c'est ce que j'avais entendu aussi. Donc du coup, ça serait 20 000 proposés par le FC Copenhague alors. C'est les rumeurs, oui. Et Éventuellement, ouais. ça a été le tout, enfin, c'est le truc le plus crédible, hein, honnêtement. Ok, très bien. Bah écoute, on verra ce que Et ça donne. est-ce que tu penses que ça va les affecter, Wiper? Est-ce que tu penses que ça va les aider? Qu'est-ce que. Bah, je pense que c'est un sacré coup de pouce pour eux, là, qui ont sacrément percé en l'espace de quelques mois, quoi. En gros, ils ont fait l'Epicenter, personne ne les attendait, et depuis, tout s'enchaîne pour eux. Donc, je suis assez content. Après, le fait que ça soit le FC Copenhagen, je trouve ça aussi que c'est une bonne nouvelle, Et c'est puisqu'on cool. sait que pour le moment, les gens sont quand même assez réfractaires à CSGO, au niveau de tous ces clubs qui se mettent à l'e-sport. Notamment parce que, bah voilà, avec les histoires de terrorisme, etc., les gens font un peu l'amalgame. Et du coup, bah, s'il y a des clubs comme ça qui commencent à faire confiance au jeu, c'est quand même une excellente nouvelle. Et si ça peut donner des idées à d'autres clubs, bah, c'est parfait, quoi. Il y a un Ça club promet écossais là vraiment. d'ailleurs, Nel.
Je sais pas, j'ai pas Qui vu. vient d'annoncer là? Sur Je sais qu'il y CSGO a aussi. Dynamo Kiev aussi. Ouais, il y a Panathinaikos. le Shakhtar, Shark Donetsk aussi. ouais. Shakhtar Donetsk, pardon. Oui, qui cherche une équipe aussi, j'ai vu ça. Ils vont tous Pourrait s'y être en mettre en partenariat principe. avec Ouais, les mais dernières équipes malheureusement, Mortal en Kombat, etc. France, Allemagne et tout, on n'est pas près de le voir. Bon, une petite équipe du FC Nantes, ce serait pas mal. Bien sûr, oui. Bon, ils ont Mais déjà non. recruté des joueurs de FIFA, ça pourrait peut-être arriver, on sait pas. FIFA, ouais, pas de Ah bah problème. ils ont plus de joueurs de foot dans leur équipe FIFA, c'est bien. Allez, on enchaîne. On respecte les Très FC très Nantes bon ça. Atlantique. Et enfin, la dernière info, ça sera VP qui signe pour 4 ans de plus. J'ai envie de dire Weeper, un logique. avis? Weeper, ouais. Fallait ça Weeper celle-là. Bah c'est parfait, moi ça me fait plaisir pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont encore rester longtemps ensemble en théorie. Après je trouve que c'est un poil long, je veux dire au niveau e-sport, est-ce que le jeu sera encore aussi populaire dans 3 ans? C'est impossible de savoir quoi. Donc à la fois c'est une bonne nouvelle parce que bah, c'est cool pour les mecs, c'est une vraie confirmation pour eux quoi. Ils vont être pro pendant encore un bon moment, mais par contre je trouve ça peut-être un peu trop, soit trop C'est beaucoup rapide, un peu 4 ans, ouais, prématuré quoi. non? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Niveau On part e-sport, sur du c'est un 2021 peu quand trop long, même, quoi. Bah ouais. c'est assez loin quand même. Il peut y Il peut y avoir du avoir du changement, il peut changement. y Après, avoir on un connaît changement pas de les jeu, il peut y avoir un clauses. changement de. Ouais, C'est une enfin il y a preuve des de clauses, confiance quand il même, peut y hein. avoir des Ouais, c'est ruptures, exactement. enfin. Les mecs ont 30 piges, on leur donne 4 ans, franchement c'est cool. C'est pas mal, c'est pas mal. On va terminer par une petite partie quiz. On essaiera de faire une partie un peu plus rapide du côté du quiz, mais là on va essayer de faire ça assez rapidement pour voir un peu ce que ça donne. Parce qu'on vous Yes. rappelle quand même, on est sur le premier Flic Show qui est entre guillemets un pilote. On voit un petit peu comment ça se Et qu'on a passe et un peu commencé à l'arrache, hein, et tout. c'est Voilà, ça on vous le dit. exactement qu'on a eu quelques petits soucis au début de C'est ma timing, faute, c'est ma etc. faute. Et vous pouvez insulter Nel sur Twitter, Comme toujours. comme toujours, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Du coup, il y a Nel qui nous a préparé un quiz, je Alors te ouais. laisse les commandes parce que là, je ne sais pas du tout ce qui se prépare. Alors c'est un questionnaire spécial shuffle, donc sur les membres du shuffle. Alors on commence, première question, donc vous répondez, vous criez pas, on va essayer de faire ça. D'accord. Civilisé, c'est que les membres du shuffle. Il y a quelque chose à gagner ou pas? Alors, non, rien du Ok, tout. bah Je participe pas dans les alors. Allez, prochains ça Fic Show peut-être. Alors, peut-être dans les prochains, allez. Shox et Apex ont déjà joué ensemble dans le passé. Si oui, LDLC. avec quelle Si oui, équipe? dans quelle équipe? Oui. LDLC 3D Alors, Max. 3D Max, un point pour Viper. Et non, et c'est pas LDLC. C'était 3D Merde. Max avec ASP, Flexor, Scream et donc Apex et Shox. Ils avaient remporté Ils avaient la gagné, ouais. Maxlan 2010 devant VG et la CPH juste Ah ouais, mais tu après. parles des trucs de CSS, tu m'as Eh ben, saoulé là. excuse-moi s'il n'y a pas de Bah, joueur excuse-nous de pas 1.6. avoir de joueur quoi, c'est Oh bien ça. là 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 Alors, question toujours sur tous les gens Ah, n'oubliez présents. Hein, pas donc SK Gaming, top 1 il objectif. Allez. y a, y a Scream, Scream. Il y a Smith et Niak qui sont dans l'histoire. Hein, alors, Apex, NBK, Shox, Kenyes, Body. Dans cette liste, quel est le premier joueur à avoir été managé par Niak? Shox? Perdu, Smith. éliminé. Wiper, Vas-y, Smith, Weeper, moi je dirais. Ça, éliminé. après, j'aurai une chance sur trois. Coco. T'as dit qui, Wiper? J'avais dit Smith. Non, c'est pas Il était Smith, pas non. dans... il était pas dans la liste, Smith, si. Oh, il était pas dans la liste. Et voilà, c'est la claque. C'est ce que Alors, je me NBK, disais. alors. C'est NBK avec Ever Games quand il joigne en 2010, Shox 2011, Apex 2012, Ouais, mais Kenny toujours des trucs 2012. de merde, là. 2010, Excuse-moi. là. Le deuil, les gars. Il faut faire le deuil, c'est fini, hein. Alors là, c'est 100% CSS. Oh Préparez-vous. là là, allez, Donc horrible. Smith qui passe coach. Donc il s'est fait un nom sur la scène européenne en remportant une LAN de niveau inter il y a très longtemps. C'était quand et quelle LAN? La CPH. C'était en 2007. C'était la. Non, vous savez pas, ok. C'était la C'était avec Digital les caches de Zas. quin? Ah non, Ah, non. Digital Zas, Là, j'y ça étais en remonte plus. quand même. J'y étais. Ouais, genre, c'est. 1.6. Bah, Avec 1.6. Wayboon, et ils battent Fnatic en finale, les légendaires Fnatic. Digital Zas, ouais. C'était une très bonne LAN. Bon, toujours 1-0 pour Wiper, c'est pas terrible, hein. Non, Mais j'ai tu un fais point. des questions de merde aussi, tu poses des Là, bonnes ça questions. va être question de rapidité, je pense. Non, tu pourrais m'accorder mon point quand même. Ou pas. Si NBK. l'on compte donc les 7 personnes, ok? Joueur, coach, manager, etc. Combien ont-ils gagné de majors en tout? Trois. Attends. Bloody Attends, 3 attends, éliminé. attends. Attends, 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 j'ai dit trop vite, attends. Ok, ben. Une La seule question est chance, hein. mal tournée, là. Tu comptes tous les Non, joueurs de la tous les line-up. joueurs, combien ils ont gagné de majors? Joueur et coach, combien ont-ils gagné de majors au total? Tu additionnes. Un? Ben non, éliminé. Si tu additionnes le nombre de majors gagnées pour Sept. chaque joueur de Mais la ta question, elle est chelou. 7, Sept. 6, non. 6, c'est Viper. 2-0 pour Viper. C'est quoi cette question? NBK a Deux, un, remporté deux. deux Un majors, Shox, Shox un Apex.
Ah ouais, non Kenny, mais oh là là, Rasmus. c'est une... C'était pas ouf. C'est nul comme question. Allez, une... C'est bon. C'est une autre temps, question. Comprend pas, hein. Autre question. Quel joueur de la le composition... Enfin, quel joueur de la composition, en incluant le coach, a remporté le plus de gains individuels Smith. Selon... Éliminé... NBK. Allez, tu l'as dit trop Bloody, vite, NBK. Allez c'est Bloody. Allez NBK qui est devant Smith. NBK quasiment 300 000 dollars. Allez, ici. Smith est très près. Choc, c'est troisième. Dans tous les Français de l'histoire. J'allais le dire, en plus, j'allais dire NBK. Stefano, quatrième. Allez, une dernière question. Allez, là, c'est Viper qui gagne pour l'instant. Alors là, vous savez quoi? C'est un ping-pong. Chacun votre tour, vous allez dire un truc. Choc, c'est Smith, donc c'est un duo inséparable. L'un après l'autre, vous allez me citer les structures dans lesquelles ils ont tous les deux joué, pas forcément ensemble, mais ils ont tous les deux joué dans la même structure. Vous comprenez? Vite fait. C'est-à-dire que dans leur carrière... Si tu rigoles, les gens n'entendent pas, Bloody. Shox non, a mais joué... y a trop de trucs sur CSGO, sur CSS aussi. C'est surtout. Ah ouais, mais voilà, tu vois. C'est le jeu, mon gars. Donc Shox a joué pour un nombre d'équipes, Smith un nombre d'équipes. Combien correspondent dans les deux? Voilà. Coco, tu commences. Epsilon. Dis-moi une. Epsilon, c'est éliminé. Hop. Mais Smith n'a jamais joué. Shox a joué chez Epsilon. Pas Smith. Les deux en même temps. Ah, temps, les deux en même temps. Bah, c'est pas clair ton truc. Bah, alors, du coup, on recommence. 4. Imaginary Gaming. Imaginary Gaming, c'est pas bon. Smith n'a pas joué. Hop. Bah, si. Non, Smith n'a pas joué. Bloody. TT Dragon. C'est bon. Wiper t'a dit Rocket, c'est ah, bon. Bloody. Ah, je l'ai confondu, putain. Bloody, vas-y. Harry Game, c'est bon. Wiper. Titan. Titan, c'est bon. Bloody. LDLC. LDLC, c'est bon. Wiper. G2, c'est bon, Bloody. Envy Il en Envy, reste ouais. 3, 4. Envy, ouais, donc là il en reste 4. Wiper. Ça va être des vieux trucs, non? Est-ce que des noms de mix ça compte ou c'est des structures? Non, c'est que des structures. Ah, ça se complique là. Ouais, là je pense que vous les aurez pas. Il en reste 3. Bloody, t'en as Dreamra? Non, on va s'arrêter là. C'est, on va dire, match nul entre vous deux, donc c'est Wiper qui l'emporte. C'était Emulate, D4, Dimension 4. Emulate, Dimension 4. Je crois que ça se jouait sur 1.6 chez Dimension 4. Ouais, mais il a pas joué Smith chez Dimension Annexis. 4. Si, Smith a joué au tout début de sa carrière quand il était chez Web One. Il avait été transféré chez Dimension 4 avant de revenir chez Web One. Wow. En 2007. En fait, dans ma tête, je l'avais Dimension 4, mais je pensais pas que Smith allait jouer dedans, tu vois. Il a joué chez des 4, je crois que ça avait joué chez des 4 quand il était du. Donc le vainqueur du quiz est Wiper, l'invité directement. Bien joué, bravo. C'est bien, je pose de bonnes bases. T'as le droit d'en revenir. C'est ça, exactement, bravo, bravo Wiper. Ça manque de bruitage quand même. Je travaillerai dans les questions. Bravo, applaudissements. Tu repars avec un skin, bravo. Non, tu repars avec la coupe du premier Flick Show, bravo, bravo. Wiper. Je tiens à remercier mes sponsors, ma famille. Pas de problème de ce côté-là. Et je pense que ça va être sur cette victoire de Wiper qu'on va arrêter cette émission, qu'on va se quitter, on va se retrouver très vite. Je vais remercier Coco, Nel et Wiper d'avoir été ici. Également Anto Botwin dans le... Qui ne sert à rien. Le fin fond du vestiaire qui ne sert à rien mais qui est quand même présent. On va citer vite fait vos réseaux sociaux, on peut vous retrouver Coco. Moi j'ai envie de faire le bien, ouais. Arrobas Wescoco, arrobas Nel, c'est Nel en direct. Nel en direct, ok. Weeper également, comme on l'a dit, arrobas en début de vidéo. Weeper Bruno, tout simplement. Sur YouTube. Weeper, on sait tout. YouTube, Weeper CSGO. Et également, vous pouvez retrouver ces Eclipsia. News sur Eclipsia. Et moi, vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur Bloody. Donc voilà, merci tous d'avoir été présents. J'espère que cette émission vous plaira. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos critiques, s'il vous plaît, de vos critiques dans la bonne humeur. Hein. Ça sert à rien de dire ouais, lui je l'aime pas, lui j'aime pas sa voix. C'est vrai que Bloody, y a pas grand monde qui t'aime. C'est vrai que malheureusement, je sais pas ce que je fais là. Je pense que si vous voulez une audience, je comprends pas. Je vais prendre des. Bon, on verra avec Goy alors. Ouais, je pense que Goy, ça sera pas mal. Ouais. Si tu veux des bonnes vannes à la franquette, tu pourras essayer avec lui. D'ailleurs, bon retour à Goy qui est de retour. Bon, Goy qui est de retour. Ça aurait dû être une actu, mais bon. Une actu, ouais. Bon, bah merci beaucoup les gars. On se retrouve très bientôt. Merci C'était à toi pour la présentation. Le Flick Show, pas de problème. C'est le Flick Show numéro 1 et retrouver toute l'actualité CSGO
sur flickshot.fr. Salut. Salut. Bye bye. Thanks for listening to the Flick Show. Bye bye, dummies.